Bonjour, cette dernière vidéo sur la théorie des mécanismes présente le lien entre les calculs théoriques de degré d'hyperstatisme et les contraintes géométriques qui en découlent. Puisque notre intérêt pour ce degré d'hyperstatisme, outre le fait qu'il met en évidence le fait qu'un système de statique soit soluble ou non, va nous donner des informations sur les contraintes géométriques à imposer lors de la fabrication d'un système. Puisque si on a une inconnue hyperstatique dans un mécanisme, il faudra limiter le défaut géométrique qui correspond. Ainsi, si on a un manque de degré de liberté en x, en y ou en z en translation, on aura des inconnus de type effort qui vont apparaître. Alors que des défauts d'orientation, donc avec des petits angles θx, θy ou θz, vont créer des axes mécaniques de moment dans nos liaisons entre nos solides. Et donc si on a un degré d'hyperstatisme non nul, on aura un mécanisme qui sera autocontraint, et ce, même en l'absence d'efforts extérieurs. Si on veut chercher à illustrer cette relation entre défauts géométriques et actions mécaniques qui vont en découler, si on a un défaut de positionnement sur X et un manque de degré de liberté justement en translation sur X, cela va engendrer des efforts. Si on prend l'exemple d'un guidage en rotation avec deux paliers, donc par exemple deux roulements à billes, si ce montage est hyperstatique, donc si on utilise deux rotules, et bien il faut veiller à ce que la distance A sur la pièce bleue et la distance A sur la pièce rouge soient très précisément les mêmes. Sinon, nous aurons des contraintes et donc un effort sur X qui sera exercé au repos sur ces liaisons rotules. De la même façon, si on découvre un manque de degré de liberté en rotation autour de l'axe Z, cela peut créer des moments sur cet axe Z. Ainsi, si dans un mécanisme on impose que deux pivots soient parallèles et qu'à aucun autre endroit du mécanisme on ait cette rotation autour de l'axe Z qui soit proposée, eh bien, on peut créer donc par un défaut géométrique d'orientation de l'axe vert par rapport à l'axe rouge, par exemple, autour de l'axe Z, un moment suivant Z. Alors que, a priori, si on a une rotation sur X, le défaut d'orientation de mon axe vert par rapport au rouge sur X sera rattrapé par le degré de liberté autour de l'axe X d'une autre liaison. Si on cherche à illustrer cela avec deux autres liaisons en série, donc un appui plan et un pivot glissant, si on a défaut d'orientation sur l'axe Z, ça va créer des moments, alors que si on a défaut d'orientation sur l'axe X, ce défaut sera rattrapé par le degré de liberté permis dans une autre liaison. Ensuite, si on a un défaut d'orientation sur l'axe X et Y, nous allons devoir garantir que nos deux axes rouge et vert soient bien parallèles. De la même façon, sur notre deux liaisons à appui plan et pivot glissant, si on a un manque de degré de liberté en θx et θz, il faudra garantir que la normale de notre appui plan et l'axe de l'appui glissant soit rigoureusement parallèle. Un dernier exemple, si on a un degré hyperstatique I à la 4, donc avec par exemple deux translations sur X et sur Y qui ne sont pas permises à aucun endroit du mécanisme et deux rotations
sur X et sur Y qui, elles aussi, ne sont pas permises à aucun endroit du mécanisme, eh bien, il va falloir garantir que notre axe vert et rouge soit rigoureusement coaxiaux. Le moindre petit défaut, comme c'est représenté sur le dessin, va entraîner des actions mécaniques intérieures aux liaisons, même sans action mécanique extérieure. Alors si on reprend notre exemple de la pompe à piston radial pour parler d'un mécanisme complet, on a vu que la famille d'inconnus statiques qui était indéterminée était les moments sur l'axe X. Donc si on a un défaut d'orientation d'un axe autour de l'axe X, donc si on a un défaut angulaire d'orientation θx, cela va créer des contraintes dans notre mécanisme. Et il va falloir s'intéresser à l'ensemble des pièces de notre mécanisme. Par exemple, on voit si l'axe de l'alésage de notre pivot glissant de notre pivot glissant est mal orienté sur notre bâti, ça va créer des contraintes dans la pièce 2. On voit que sur chacune des pièces, ce défaut d'orientation d'un axe autour de l'axe X va créer des moments sur la ligne rectiligne, un moment sur la pivot, et cela sur chacune des pièces. Pour pallier à ces contraintes, on cherchera à imposer une fabrication précise de notre pièce à l'aide de ce qu'on appelle un tolérancement géométrique. Alors il faut faire attention, puisque le degré d'hyperstatisme n'est pas forcément nocif, puisque ces contraintes que l'on génère peuvent permettre en fait de rigidifier les systèmes recherchés. Si on décide donc de conserver un degré d'hyperstatisme important, il faudra pouvoir garantir que le mécanisme va se monter et donc chercher à minimiser les défauts géométriques. Et nous verrons cela dans le cours sur la cotation GPF. Donc si on cherche à illustrer ces notions sur notre exemple du TD, alors là on a pris la liberté de faire ce qu'on appelle une cotation géométrique sur un schéma cinématique. Donc ce n'est pas quelque chose de normalisé, mais c'est pour vous donner le grand principe. Ces cotations normalement se feront sur le dessin de définition des pièces, donc pour la fabrication. Donc on voit que sur la classe d'équivalence cinématique 2, donc la manivelle de notre mécanisme, il va falloir garantir que l'arbre qui sera donc qui participera au guidage en rotation de la manivelle et la droite, donc enfin la génératrice du cylindre qui réalisera la liaison linéaire rectiligne avec la pièce 3, donc que ces génératrices et l'axe de notre cylindre soient rigoureusement parallèles. Donc on imposera qu'ils soient parallèles en fait avec un certain défaut acceptable. De la même manière, sur le piston, on va imposer une perpendicularité entre l'appui plan de la linéaire rectiligne et le cylindre du guidage en translation. Et enfin, sur le carter, on imposera que nos deux guidages, donc le guidage de la pivot et le guidage de la pivot glissant, soit aussi orthogonaux. On peut parfois chercher à rendre l'assemblage isostatique, alors pour différentes raisons, soit pour utiliser un modèle plus facile à exploiter d'un point de vue calculatoire, ou alors pour essayer de limiter les contraintes lors de l'assemblage. Donc pour le rendre isostatique, il faut identifier donc quels sont les inconnus hyperstatiques et chercher à les annuler en rajoutant un degré de liberté dans le mécanisme. Alors on fera attention de ne pas rajouter de degré de liberté
sur les liaisons d'entrée et de sortie du mécanisme au risque de changer la cinématique globale du mécanisme. Alors si on reprend l'exemple de la pompe à piston radial, donc pour rendre l'assemblage isostatique, il faut rajouter un degré de liberté en rotation autour de l'axe X. Donc, comme je viens de vous le dire, on évitera de modifier les liaisons d'entrée et de sortie. Et donc, on va s'intéresser à la liaison entre 2 et 3. Donc, pour rajouter un degré de liberté en rotation autour de l'axe X, on peut remplacer la linéaire rectiligne par une ponctuelle. Et si on veut éviter de transmettre toute la puissance par un point, donc avoir une pression de contact trop importante, on peut même rajouter une pièce intermédiaire, donc qui sera elle en rotule avec 2 et en appui plan sur 3. Et nous avons vu au début du cours que ces deux liaisons en série réalisent une ponctuelle. Alors, d'un point de vue de la méthodologie, on peut commencer généralement par réaliser une approche globale en utilisant la loi globale de cinématique ou de statique. Et ensuite, pour réfléchir à la mobilité d'un système, c'est généralement la méthode cinématique qui est la plus commode, puisque ce sont des grandeurs que l'on illustre facilement, que l'on observe facilement, les grandeurs cinématiques, et on a moins d'équations à traiter, généralement. Si on veut chercher une loi entrée-sortie en effort, on privilégiera plutôt une approche énergétique, que vous verrez l'année prochaine, donc en seconde année. Et enfin, si on veut dimensionner les liaisons du mécanisme et donc connaître l'ensemble des actions mécaniques de liaison, on privilégiera plutôt une approche dynamique. Encore une fois, vous verrez le cours en seconde année. Voilà, c'est tout pour ce cours sur la théorie des mécanismes.